Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver la batterie Bolk utilisée dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser la batterie qui se situe à droite du compartiment moteur. Retire le couvercle de bac à batterie. Ne commence jamais par débrancher la borne plus toute la voiture étant raccordée au moins. Cela risque de créer des étincelles dangereuses pour le réseau électrique de ta voiture. À l'aide d'une clé plate de 10, commence par déposer la cosse négative. Lorsque tu l'extrais de la borne, pense à bien éloigner le câble de manière à éviter une reconnexion intempestive qui pourrait endommager le réseau électrique de ton véhicule. Puis, dépose à l'aide des mêmes outils la cosse positive de la batterie. Retire l'habillage plastique de la batterie. À l'aide d'un cliquet d'une grande rallonge et d'une douille de 13, dévisse la plaque de maintien de la batterie, puis extrais-la. Tu peux maintenant retirer la batterie. Ponce avec du papier de verre l'intérieur des cosses pour enlever la couche d'oxydation blanche et éviter à terme des pannes insidieuses. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle batterie. Enduis les cosses de graisse cuivrée pour améliorer le contact entre les bornes et les cosses, mais aussi limiter l'apparition d'oxydation. Mets en place la nouvelle batterie en la plaquant bien contre son support. Remets en place la plaque de maintien de la batterie, puis termine le serrage à l'aide du cliquet. Repose l'habillage plastique de la batterie. Repose en premier la cosse positive. Bloque-la à l'aide de la clé plate de 10. Enfin, fais de même avec la cosse négative. Referme le couvercle du bac à batterie. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à faire l'entretien de ta voiture. Maintenant, c'est à ton tour. Aide-nous toi aussi à faire rayonner la chaîne pour nous permettre de faire encore plus de tutos. Pour ça, rien de plus simple. Tu likes la vidéo, tu nous laisses un commentaire et surtout, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. T'imagines même pas à quel point ça peut nous aider. Allez, on y retourne.